Donc, au baccalauréat international, il y a 5 profils. On fait exprès lors du week-end pour mélanger les profils entre eux afin que les étudiants connaissent d'autres mondes que les gens avec qui ils vont être dans leur profil. Donc, s'ils sont, par exemple, en histoire, un BI histoire, bien, on parle d'un groupe de 15 ou 20 personnes. Alors, pendant 2 ans, ils vont être presque uniquement 15 ou 20 ensemble dans leur cours. Alors, le but de la fin de semaine, c'est aussi qu'ils connaissent d'autres gens dehors de leur cadre. L'objectif, c'est de les laisser expérimenter des choses par eux-mêmes et lentement de développer leur sentiment de confiance en eux-mêmes, mais aussi à l'intérieur du groupe. Donc, il ne faut pas qu'ils soient structurés, encadrés, dirigés. Il faut au contraire qu'il y ait pas mal de liberté pour que, spontanément, il y ait des leaders qui émergent au fur et à mesure dans l'aventure. Et puis, on souhaite que tout le monde soit leader à un moment ou à un autre. Il y a différents défis pour différentes personnes afin que chacun puisse s'exprimer dans le groupe et avoir sa place au soleil. À l'intérieur des 130 étudiants qui sont présents, tous les groupes de 10 ne sont pas en compétition entre eux. Ils travaillent tous ensemble pour un but commun. Donc encore là, pour contrer l'esprit de compétition qui pourrait exister, mais au contraire, développer la coopération entre les étudiants. Alors, la dynamique est bonne et puis ça fonctionne exactement comme on l'avait espéré. Ben, c'est vraiment créer des liens, j'en travaille en équipe, je pense que c'était ça qui était ouais, la coopération. Ouais, vraiment. C'était vraiment important pour ça. Ah, c'est certain, quand on vit ensemble dans une petite tente avec la pluie, le froid et tout, c'est certain qu'on a des défis, mais encore une fois, je suis vraiment chanceux de l'avoir parce que c'est un bon groupe. Vraiment, le billet, ça m'ouvre plein de portes. C'est la première raison. Aussi, j'aimais le fait qu'on soit un groupe plus proche. J'ai déjà, encore une fois, vécu une expérience semblable et j'ai vraiment aimé l'expérience, donc je recommence avec le billet. Les jeunes pendant une fin de semaine au camp 4 saisons, c'est leur intégration au collège. Donc, on veut qu'ils apprennent à se connaître, on veut qu'ils développent certains liens au cours de la fin de semaine, puis on veut essayer de tranquillement diminuer l'atmosphère de compétition qui est à l'intérieur du BI, donc la course aux notes, la course aux quotas. Donc, essayer de créer une atmosphère de camaraderie et d'entraide. Donc, en plein air, c'est une bonne façon de couper ça. Dépendre de chacun. Donc, il y a des gens qui ils vont affronter leur peur, vont être déstabilisés, amenés dans un milieu qu'ils sont peut-être moins habitués de côtoyer. Certains, simplement dormir en nature, c'est quelque chose de très déstabilisant. D'autres, ça va être, par exemple, l'escalade, le rappel, donc la peur des hauteurs, la peur de l'eau, le fait d'être soumis à la température, donc qu'il pleuve, qu'il fait froid, qu'il fait chaud, on continue quand même, dépasser leurs limites physiquement. Donc, c'est vraiment du cas par cas au niveau du plus grand défi. On essaye de les sortir de leur zone de confort pour qu'ils amènent justement encore plus à se parler puis à s'entraider en équipe.